Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je ne suis pas toute seule aujourd'hui. J'ai ramené Thérèse, la petite plante verte qui est juste là et qui me gêne un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est mon amie. Elle fait du bien mes locks. Revenons sur le vif du sujet. On va parler de mes locks. Donc je vais vous parler de pourquoi j'ai commencé, comment j'ai commencé et comment je les entretiens au quotidien et de manière hebdomadaire. Alors oui, dans un premier temps, je vais vous parler de pourquoi j'ai commencé mes locks. Alors ça va faire maintenant 10 ans que je suis au naturel. J'ai fait mon premier big shop, c'était au mois d'août 2008. Nous sommes en 2018, bientôt 2019. Donc ça va faire 10 ans que je suis au naturel, que je n'ai pas mis de défrisage, je tiens à le préciser, dans mes cheveux. J'ai effectivement fait tout ce qui est coloration, décoloration durant ces dernières années, mais pas de traitement qui allait dénaturer la nature de mes cheveux. Alors je sais qu'il y a certaines filles qui sont assez extrémistes, etc., qui disent que les colorations c'est pas bien, que ça veut dire que tu n'es plus naturelle. Hop hop hop, on arrête là tout de suite, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ses cheveux. Je tiens vraiment à préciser que vous défrisiez les cheveux, que vous fassiez des colorations, le plus important c'est de les entretenir et qu'ils soient en bonne santé, en tout cas le moins sensibilisé possible. Alors oui, la coloration, la décoloration, ça c'est sûr que ça abîme les cheveux à long terme. C'est pourquoi il vaudra mieux se tourner, si vous avez la possibilité bien évidemment, vers des colorations dites naturelles, végétales. Enfin voilà, je vous en parlerai un peu plus tard peut-être. Mais en tout cas, vous avez quelques infos sur le blog, donc c'est brownskin.fr. N'hésitez pas à aller chercher dans la barre de recherche coloration, décoloration, vous trouverez certains de mes articles. Donc pour en revenir à nos moutons, j'ai beaucoup pensé à démarrer des locks. Je voulais tout simplement en fait tester différentes coiffures avant de me lancer, parce que je voulais les débuter quand je suis revenue au naturel, mais j'avais pas encore la patience ni l'envie, je pense, de démarrer mes locks. C'est pourquoi j'ai voulu essayer différentes coiffures et aussi grâce à cette chaîne que je tiens à vous montrer qu'on pouvait entretenir ses cheveux et les coiffer même si on les a très crépus. Donc voilà la première raison. Pourquoi je veux les commencer maintenant? Je pense que j'ai pris assez de recul ces dernières années, j'ai beaucoup testé, j'ai beaucoup expérimenté des choses dans ma tête et aussi dans ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de revenir, on va dire, un petit peu à de bonnes bases et à ne plus trop manipuler mes cheveux et à les laisser vivre tout simplement. On peut tout autant le faire quand on a les cheveux libres, je ne veux pas dire le contraire, c'est juste que j'ai envie de ressentir mes cheveux d'une autre manière, de les voir d'une autre façon tout simplement. Et je trouve que les locks c'est une coiffure extrêmement magnifique, extrêmement spirituelle et ça me rejoint beaucoup aujourd'hui. Je pense que j'ai assez gagné en maturité, en sagesse pour pouvoir les démarrer. Donc voilà pourquoi je les ai commencés. Donc deuxième phase, comment j'ai débuté mes locks? Alors, sachez que je les ai débutés toute seule. Vous pouvez très bien le faire chez un professionnel et je vous le recommande vivement si vous avez des doutes, si vous démarrez d'une manière beaucoup plus technique. Moi, je les ai commencés en faisant des vanilles tout simplement. Donc, des vanilles, c'est des tresses à deux brins qui s'entortillent l'une sur l'autre. Donc, c'est assez facile à réaliser. Et ça fait 10 ans que ma tête est un laboratoire pour moi-même. Du coup, ça fait longtemps que je connais comment tracer, etc., etc. Même si je voulais pas faire quelque chose d'assez linéaire, j'ai juste lavé mes cheveux, fait mes soins, laissé sécher à l'air libre. Et le lendemain, j'ai démarré mes vanilles, tout simplement, pour pouvoir les laisser prendre par la suite. J'ai pris la technique des vanilles parce que je sais que mes cheveux sont crépus et qu'ils s'en mêlent assez facilement. Si vous avez les cheveux lisses, bouclés, ondulés, voire frisés, je vous recommanderais d'utiliser des techniques beaucoup plus durables, qui est le sel du crochet. Pour celles aussi qui font énormément de sport, et je pense à mes sœurs muslimes musulmanes qui font des ablutions
quotidiennement et qui sont amenés à apporter de l'eau à leurs cheveux, je vous conseille la technique du crochet qui sera beaucoup plus durable sur le long terme. Donc voilà, moi j'ai pas fait le crochet tout simplement parce que je ne pourrais pas le faire sur ma propre tête. Je suis vraiment allée à l'essentiel et au plus accessible pour moi. Donc je vais vous montrer tous les deux outils que j'ai utilisés pour faire mes vanilles et pour crocheter la racine. Donc j'ai utilisé ces deux outils là. Donc ça c'est un peigne à queue, donc celui-ci est métallique mais vous en avez qui ont la même matière, et un crochet à clapet. Celui-ci est plus gros mais vous avez différents diamètres en fonction de la taille de vos locks et de vos cheveux. Donc tout simplement ça m'a aidé à tracer et ça m'a aidé à reprendre mes repousses pour solidifier mon départ de locks qui a été fait en vanille. Sachez que pour tous ceux qui démarrent en vanille et en tortille, je vous recommande dans un premier temps de crocheter vos repousses pour qu'il y ait un maintien au niveau de la base et pour pas que ça puisse se défaire. Mais vous pouvez très bien ne pas le faire, c'est vraiment un conseil pour celles qui ont envie que, pour celles, qui n'ont pas, celles et ceux qui n'ont pas envie que ça se défasse au fil des mois. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai démarré mes locks en vanille. Donc là ça va faire 4 mois il me semble, j'ai commencé au mois d'août, donc ça fait août, septembre, octobre, novembre. Donc ça va faire 4 mois que j'ai mes locks. Elles ne sont pas du tout formées pour le moment, elles sont juste beaucoup plus fouillies qu'au départ. Je n'ai malheureusement pas de photos quand j'ai commencé les vanilles, mais je vais essayer de vous montrer quelques-unes sur le blog et sur la vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution. Mais elles sont beaucoup plus fouillies que le premier jour, c'est normal, le cheveu commence à se tasser les uns sur les autres et ça commence à s'emmêler et à avoir une texture plutôt molle, mais par la suite ça va vraiment se solidifier. Donc là j'attends on va dire 6 mois, ensuite voire 1 an, à partir de 2 ans on pourra vraiment constater les effets en fait de la maturité. Donc voilà, donc ça fait 4 mois. Niveau ressenti, ça va, je me trouve plutôt jolie avec mon départ de locks. Je sais que pour certaines personnes c'est assez dur de se voir différemment pour n'importe quelle coiffure, que ce soit des locks ou après avoir fait un big chop ou couper ses cheveux. Mais le plus important c'est vraiment de vous sentir bien dans votre peau, de vous pomponner ou de ne pas vous pomponner, de vous habiller ou enfin vraiment de faire en sorte que vous vous sentiez bien dans votre tête et dans votre corps. Ne prenez pas d'avis extérieur à part si c'est vraiment constructif, mais gérez vraiment votre propre émotion par rapport à vos cheveux, c'est très très important, je tiens à le préciser, c'est comme votre corps, il vous appartient, vos cheveux vous appartiennent, il n'y a que vous qui êtes maître de tout cela. Donc je vous recommande de vraiment aller sur des forums, discuter, aller sur des groupes sur des personnes qui portent des locks, aller voir des sites, des vidéos qui pourront vous aider à vous sentir mieux et à mieux gérer et appréhender votre coiffure tout simplement. Ces conseils valent très bien aussi pour celles qui ont les cheveux libres, bien évidemment. Donc pour l'entretien, ça va être la dernière étape de cette vidéo. Je vais vous montrer vraiment brièvement les produits que j'utilise. Sachez que j'ai vraiment fait le tri dans tous mes produits, que ce soit beauté, cosmétique, enfin bref, c'est pas dans le cadre de la vidéo, mais j'ai vraiment fait un gros tri pour vraiment retirer tout ce que je n'utilisais pas, tout ce qui n'était pas propre à mon éthique et qui n'était pas forcément très naturel. Donc je suis revenue un petit peu aux bases et à la fabrication de mes propres produits. Sachez que je ne suis pas formulatrice ni chimiste, je fais vraiment des choses assez basiques et c'est des choses qui existent déjà depuis des millénaires, donc je ne fais que les retranscrire dans mes vidéos ou dans mes articles pour que vous puissiez les avoir et qu'on puisse surtout les perpétuer pour les futures générations. Donc voilà, donc en ce qui concerne les produits, on y vient tout de suite. Je vous fais les petits trucs. Les produits. Et après, je vous montrerai les ustensiles. Donc, je ne peux que vous recommander ce petit bijou. C'est du gel d'aloe vera. Vous pouvez l'acheter soit en plante, enfin une branche entière que vous pouvez trouver au supermarché ou en magasin bio. Vous pouvez aussi vous l'acheter dans un flacon comme ça, pompe, qui est hyper pratique pour... Tout, vous pouvez l'utiliser pour vos cheveux, pour votre peau. Moi, j'utilise vraiment pour tout. Donc, du coup, celui-ci est un
je crois que c'est 250 ml. Donc celui-ci, j'utilise dans mon vaporisateur d'eau que je vais vous montrer juste après, mais je peux aussi l'appliquer directement sur mes cheveux et aussi pour plaquer mes petits chichis qui sont juste là. J'en ai énormément, énormément, énormément. Ça c'est merci maman. Du coup, ils peuvent même rejoindre limite mes cils. Mais j'utilise ces deux choses-là pour vraiment les plaquer. Donc vous appliquez un peu de gel et vous plaquez avec la brosse et vous mettez un petit foulard pour le lendemain et ce sera bien plaqué. Donc voilà. En ce qui concerne le gel d'aloe vera. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est mon petit vapo qui est vide. Mais généralement, je mets soit de l'hydrolat de patchouli, soit de l'eau minérale que vous pouvez vous procurer. Avec un peu de gel d'aloe vera et une huile essentielle de menthe poivrée, vraiment quelques gouttes pour rafraîchir un petit peu mon crâne. Et l'huile essentielle de baie Saint-Thomas, je vous mettrai tout ça dans ma barre d'informations bien évidemment et sur le blog. Donc je mélange tout ça dans mon petit vapeau et je vaporise vraiment tous les jours, matin et soir, parce que j'ai les cheveux très très secs et mon cuir chevelu également laid. Et ça me permet d'éviter toute démangeaison et ça rafraîchit tout simplement mon cuir chevelu. Et je trouve ça super pratique pour celles qui portent leurs locks et qui démarrent et pour celles qui les ont depuis un petit moment. Ensuite, ce que je fais pour les nourrir, j'utilise un mélange d'huile végétale qui vient de chez Aromazon. Donc il y a vraiment plusieurs huiles, il y a de l'huile d'avocat, l'huile de brocoli, que j'essaye de me souvenir, de ricin, enfin il y a énormément d'huiles qui sont bénéfiques pour le cheveu. Donc c'est une huile de soin que j'applique aussi une fois par jour, soit le matin, soit le soir, mais plus souvent le matin, pour rafraîchir un peu mon départ de locks. Donc voilà, je l'ai retranscrit dans un petit flacon tout simplement qui est beaucoup plus pratique que l'autre. Du coup, je peux doser à ma guise le produit. Donc j'en mets un petit peu et je l'applique sur l'ensemble de ma chevelure. Ensuite, ce que j'utilise pour tout ce qui est pourtour de cheveux, vous savez que j'ai une alopécie de traction, c'est dû aux tresses que je faisais qui étaient assez lourdes. C'était surtout l'épaisseur. Donc faites très très attention pour celles qui démarrent et qui ont leur locks au pourtour de vos cheveux qui est extrêmement sensible. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans une petite fiole comme ça, Roland, que je me suis aussi procuré chez Aromazone du coup, j'ai mélangé de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, aussi de l'huile de menthe poivrée et une huile d'ylang ylang. Et j'applique ce qui est pratique avec ça. Je vous le recommande vraiment si vous voulez vraiment avoir une petite fiole pratique et pratique tout simplement. Vous avez juste à l'appliquer sur les zones comme ça qui sont visées et vous allez venir masser après juste avec vos doigts. Donc vos doigts, pas vos ongles, hein, bien vos doigts. Masser de manière circulaire, pardon, j'ai du mal. Avec vos doigts et ça va faire pénétrer les huiles et ça va en fait stimuler la pousse du cheveu. Vous pouvez aussi très bien le faire sur l'ensemble de votre chevelure en effectuant des mouvements assez lents. Vous pouvez le faire soit le soir, souvent le soir c'est plus pratique, vous pouvez vous détendre en regardant par exemple un film ou juste avant d'aller vous coucher, c'est ce que je fais souvent. Donc je vais essayer d'être très régulière parce que j'ai vraiment c'est pas une chute mais du coup si c'est quand même une chute assez importante ici, vous pouvez le voir, je qui me complexe un petit peu, mais tant que c'est soigné et que ça me perturbe pas dans ma confiance en moi, ça va. Mais là vous le voyez bien, je vous le montre, et comme j'ai des petits cheveux qui repoussent tout autour, j'arrive à le plaquer dessus pour pas que ça se voit. Donc je n'utilise rien, pas de mascara, pas de truc de bombe là pour cacher. Je sais qu'ils en font pas mal en ce moment sur internet, mais je préfère y aller naturellement et tranquillement, on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà. Donc voilà pour ce qui est du quotidien. Donc sinon je fais rien d'autre en particulier vraiment. Ça a vraiment simplifié un petit peu ma routine. Donc j'utilise vraiment ces trois produits là. Donc on va dire que ça, c'est ma routine capillaire. Tout simplement. Du départ jusqu'à la maturité, je vais continuer à utiliser ça. Je vais bien évidemment changer de temps en temps les huiles et les contenants pour ne pas que mes cheveux s'habituent trop. Mais en tout cas, pour le moment, mes cheveux sont très bien. Je les sens bien. Donc voilà. En ce qui concerne le shampoing, j'utilise du savon noir que je n'ai plus. Sinon, je peux utiliser du... Ça, c'est du savon d'Alep.
donc que vous pouvez trouver en magasin aussi bio, etc. Et il me reste encore le savon solide que j'avais fait, qui est celui-ci. Donc vous avez fait un petit article que je vous remettrai dans la barre d'infos également pour que vous puissiez le consulter. Mais j'aime beaucoup cette petite boîte en métal de chez Aromazone. Ça me permet de conserver en fait tous mes produits solides. Ça me permet également de réduire les déchets. Hein. Je pense que c'est très bien comme chose. Donc voilà, je ne vis que par ces deux shampoings-là. Je n'utilise plus trop d'autres produits. Franchement, tout ce qui est lait, brosse, peigne, ce sera vraiment pour mon fils, du coup, qui a ses cheveux libres et qui les a frisés. Mais sinon, pour moi, ma routine, c'est vraiment simplifié. Donc je vous invite à faire de même, que vous ayez le cheveu libre ou l'oxé, à simplifier votre routine au maximum et à avoir ce qui vous permet de moins prendre temps en fait pour l'entretien de vos cheveux et pouvoir profiter de votre vie tout simplement. En ce qui concerne les outils, alors je vais vous montrer mes dernières acquisitions. Donc ça, c'est des outils qui vont vous permettre de faire du latching et du crochet broderie. Alors, ces deux-là, ce sont des aiguilles de 0,6 mm. Celui-là, il n'y en a qu'un seul, qui est assez petit. Du coup, ça va vraiment bien emmêler vos cheveux. Donc, comme je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo, vous allez venir faire ça sur toute la longueur de votre braid pour pouvoir rentrer les chichis et homogénéiser votre braid. Celui-ci est à deux aiguilles. Je l'ai pris pour voir si c'est assez rapide. Je vais tester, mais je vous en dirai des nouvelles. Mais ce sera pour créer les extensions de locks pour mes clientes. Et celui-ci aussi, vous pouvez reprendre aussi vos repousses avec ça. Si vous avez des locks de taille moyenne, je vous recommande ce crochet à clapet. Et aussi, si vous avez des chichis que vous voulez rentrer et que vous ne savez pas utiliser ça, vous pouvez très bien le faire avec ça dans un premier temps et venir crocheter après avec les aiguilles. Ensuite, deux autres outils pour effectuer vos reprises pour celles qui ont des locks normales de taille moyenne et des sister locks. Enfin, je vais globaliser, c'est les micro locks. Vous pouvez utiliser ces deux ustensiles-là. Donc, je vais essayer de vous les montrer un peu plus précisément tout à l'heure. Donc ce sont des petits crochets. Vous allez venir accrocher votre dread dedans. Il y a un petit bout, il y a un petit trou. Du coup, vous allez le placer dedans. Et en fait, ça va bloquer. Vous avez vu, ça bloque la lox et vous allez pouvoir faire toutes vos manœuvres pour faire votre reprise de racine. Donc j'aime beaucoup ces petits outils-là. Je les trouve hyper pratiques. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment je fais ma reprise au crochet et ma reprise au twist pour que vous puissiez avoir les deux techniques différentes sur ma chaîne et que vous puissiez vous faire une idée. Mais je trouve ces deux outils vraiment pratiques pour celles qui ont des micro locks et pour celles qui ont des locks à peu près de la même taille que moi. Pour celles qui ont des locks plus épaisses, généralement elles font du freeform ou elles retwistent vraiment très peu. En tout cas, très peu. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ça, je les trouve vraiment très très pratiques. Je les ai achetés chez Amazon. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les différents outils que vous pouvez utiliser pour reprendre vos racines et les entretenir. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je ne vais pas vous retenir très longtemps. N'hésitez pas à vous rendre sur mon blog, donc c'est brandskin.fr, et à me contacter en commentaire si vous avez des questions sur les locks, sur différentes thématiques, problématiques que vous pouvez rencontrer. Je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Et si c'est un peu plus privé, vous pouvez m'envoyer à contact@brandskin.fr un petit mail pour m'exposer votre souci et qu'on puisse le régler ensemble et que je puisse vous guider vraiment au mieux. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.